DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Honnêtement dit, vous êtes vraiment avare en termes de likes. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Mais pourquoi tu ne m'as plus jamais rien chanté depuis? Allez, vas-y mon amour. Rechante-moi une chanson s'il te plaît. En particulier celle que tu interprétais le jour de notre première rencontre. Cette époque est révolue, mon amour. Je t'avais dit que c'était un petit job, de rien du tout pour gagner un peu d'argent. Sauf que moi je suis tombé amoureux de toi ce jour-là. De cette voix. Allez, mon amour. Une toute petite partie pour me faire plaisir. Arrête d'insister, Chris. Tu sais que je n'aime pas que tu te rappelles de moi ainsi. Pourquoi on ne ferait pas comme si on s'était connu devant cette boutique? Le jour où tu m'avais invité à un dîner. Ok, d'accord. J'arrête d'insister. Et si tu demandais qu'on nous apporte une bouteille de vin rouge, pour trinquer à notre réconciliation? À cette merveilleuse nuit qui nous attend sans bruit d'enfant? D'accord, mon amour. J'y vais. Sale garce. Tu n'as pas idée de ce qui t'attend. Bienvenue en enfer, ma chère femme. Dès qu'elle sortit, il fouilla dans la boîte à pharmacie et prit 3 comprimés de somnifères, qu'il écrasa par la suite, avant de l'empocher. La porte ne tarda pas à s'ouvrir, laissant Ryan entrer avec une bouteille de vin en main, accompagnée de 2 verres. Chris ouvrit la bouteille et la laissa remplir les 2 verres, avant de la distraire en l'embrassant, pour renverser toute la poudre des somnifères dans son verre. Une heure plus tard, dans leur chambre conjugale, Ryan dormait déjà à point fermé. Il descendit s'assurer que les domestiques dormaient déjà, avant de remonter. Une fois dans la chambre, il prit soin de lui retirer tous ses vêtements, et la laissa qu'en sous-vêtements, avant de la soulever, et la mettre dans sa voiture. Il parcourut quasiment 7 km environ, avant de repérer un dortoir de SDF, et de mendiants. Il profita qu'ils soient tous endormis, pour y allonger Ryan près d'eux. Il la recouvrit ensuite avec un tissu sale, et se retourna dormir confortablement dans son lit. Bonjour, monsieur. Maria, c'est ça? Oui, monsieur. Vous êtes viré. Vous partez tout de suite de chez moi. Mais... Ne discutez pas mes ordres. Prenez vos affaires, et foutez le camp de chez moi. Chris demanda à la sécurité de la jeter hors de sa maison, vu qu'elle traînait encore les pas. Il remonta par la suite dans sa chambre, appela son avocat, et lui demanda d'aller fermer la boutique de vêtements de Ryan. Et il bloqua ensuite toutes ses cartes de crédit. Une heure et demie plus tard, il alla chez ses parents, pour voir ses bouts de choux. Comment vas-tu, mon fils? Bien, papa. J'espère que mes petits trésors ne vous ont pas trop fatigué. Nous sommes habitués, tu sais. Et je n'ai vu d'enfant faire du bruit autant que toi quand tu étais bébé. Ton père a raison. Tu étais très turbulent. Tu ne nous laissais même pas faire une petite sieste. Akram tient ça de toi. En plus, il te ressemble tellement que c'est comme si je revivais l'époque où tu étais encore bébé. J'adore vraiment ces enfants. Attends. Ne me dis pas que tu es venu me les prendre? Pas du tout, maman. Je veux juste les amener voir leur mère un petit instant. Qu'est-ce que tu viens de dire, Chris? Tu vas revoir cette femme, et permettre que mes petits-enfants la fréquentent? Oui, papa. Et je te demanderai de me laisser un peu de temps, pour tout expliquer après. Fais-moi confiance, papa. C'est ce que j'ai fait. Et la famille de ta chère femme a ruiné la réputation que j'ai pris des années pour avoir.
et je ne vais pas permettre que cette femme réussisse de nouveau à piétiner le peu de dignité qui nous reste. Alors, tu n'iras nulle part la voir, encore moins mes petits-fils. Je comprends ta colère, papa. Moi, à ta place, je réagirais de la même manière. Mais fais-moi confiance. Crois-moi une dernière fois, s'il te plaît. Je ne changerai pas d'avis, Chris. Je t'interdis formellement de revoir cette femme. Chris, je te connais très bien. La dernière fois que j'ai abordé le sujet concernant cette femme avec toi, tu étais resté catégorique sur ta position de ne plus jamais avoir affaire à elle. Et si tu as changé d'avis maintenant, c'est parce qu'il s'est produit quelque chose, n'est-ce pas? Oui, maman. Mais je ne peux rien vous dire pour le moment. Vous saurez tout, au moment opportun. D'accord, mon fils. J'ai confiance en toi. Merci beaucoup, maman. Et toi, monsieur, mon mari, tu devrais en faire autant. Chris n'est pas immature. Et tu le sais très bien. Regarde par toi-même tout ce qu'il a accompli tout seul. J'ai confiance en mon fils. Mais pas à la famille de sa femme. Sauf que je n'ai jamais vu mon fils rayonnant de bonheur, à part le moment où cette femme avait pris la place de sa sœur. Mais comment tu peux dire des bêtises pareilles, Pauline? Je ne dis que ce que j'ai vu. Et n'oublie pas que tu m'as aussi parlé de ce petit changement que tu appréciais d'ailleurs chez la femme de ton fils. Oui, mais sauf que c'était une autre, qui nous avait pris pour des cons. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, elle nous a rendus heureux avec deux trésors et un autre qui est en cours. Quoi? Oui, papa. Elle est de nouveau enceinte. Et c'était des jumeaux. Mais malheureusement, elle en a perdu un. Donc ne sois pas si sévère avec elle. Et fais confiance en ton fils. Ok. Mais j'espère que je ne suis pas en train de faire une erreur. Je te jure que non, papa. Ok. Dans ce cas, fais ce que tu as à faire. Merci beaucoup, papa. Il appela Sandrine qui était avec les enfants, de l'aider à mettre ses jumeaux dans la voiture, avant de démarrer sa voiture. Daniel? Bonjour. Bonjour, Chris. Tu as bien dormi? Pas vraiment. Mais dis-moi. Tu as pu régler la situation de Raya? Oui. Elle est déjà sous protection de témoins. Son avocat ne t'a pas téléphoné? Non. Et tu sais où elle est? Désolé. Mais c'est une information secrète. Moi-même je ne sais pas où elle est. D'accord. Je vais m'entretenir avec le procureur. Car il faut que je la voie. J'ai besoin de parler avec elle. Ok, bonne chance à toi. Merci mon frère, car j'en ai vraiment besoin. Et comment c'était avec Ryan? Tu as su te maîtriser? Oui. Sauf que j'ai mis du somnifère dans sa boisson, et je l'ai ramené dans la rue, précisément dans un endroit où vivent les mendiants et les SDF. Et je ne pense pas qu'elle soit déjà réveillée là où je te parle. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Elle n'a que ce qu'elle mérite. Et ce n'est que le commencement. Elle a détruit ma vie par ses multiples mensonges. Et c'est à mon tour de lui rendre la monnaie de sa pièce. Je n'aurai aucune pitié pour elle. Mais c'est un délit ce que tu as fait. Et ça peut mal finir, Chris. Je m'en fiche. Du moment où je réussis ma vengeance, le reste m'importe peu. Tu es vraiment une tête de mule, Chris. Je dois maintenant raccrocher. Ce n'est pas prudent de conduire et communiquer à la fois. Ok. Donc je te rappellerai plus tard. Il raccrocha et se gara sur le côté pour discuter au téléphone avec le procureur. Après plusieurs minutes de négociation et d'insistance, le procureur l'autorisa à voir Raya juste pour une demi-heure. Il donna à Chris ensuite l'adresse de l'appartement dans laquelle elle était. À son arrivée à l'appartement, c'est Jonathan qui lui ouvrit la porte, car il y était. Et dès que Raya vit Hakim et Akram dans les bras de Chris et de Sandrine, son visage s'illumina de sourire. Elle prit rapidement ses enfants dans ses bras et ne put s'empêcher de verser quelques larmes. Je vous aime tellement, tellement mes amours. Bon, je vais vous laisser. Prends soin de toi, Raya. Je passerai plus tard prendre de tes nouvelles.
D'accord, Jonathan. À plus. Je vais vous attendre également dehors. Contente de voir que les choses commencent à bien aller pour vous, Madame Raya. Merci, Sandrine. Et infiniment merci d'avoir pris soin de mes enfants. Monsieur Beugré. À bientôt. Au revoir. Ils ont vraiment l'air de te connaître, Hakim et Akram. Oh mes amours. Vous m'avez tellement manqué. Tu vas me bouder encore longtemps, Raya? Et tu voudrais peut-être que je t'accueille comme un roi? Juste parce que tu m'as ramené mes enfants? Mais figure-toi que non, Chris. Je ne vais pas te remercier pour ça. Et comment voulais-tu que je sache que c'était ta sœur qui t'avait obligé à te faire passer pour elle? Voilà pourquoi je t'ai demandé, je t'ai même supplié pour que tu me laisses tout expliquer. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as envoyé balader. Pour toi, je n'étais qu'une manipulatrice, une profiteuse, et même une traînée. Tu m'as traité comme si j'étais un déchet, sans aucune considération. Je ne le savais pas, Raya. Je suis désolé. Eh bien, tu le sais maintenant. Et devine quoi? C'est moi qui ne veux plus entendre parler de toi maintenant. Depuis que j'ai accepté contre mon gré, jouer ce rôle débile, ma vie est devenue un véritable enfer. J'ai failli me faire violer, j'ai passé des nuits blanches à me demander comment tu me traiterais lorsque tu saurais tout. Mais je misais sur les sentiments que j'ai imaginés, et que je pensais que tu ressentais pour moi. Mais tout n'est qu'une illusion. Tu as renié et effacé de ta mémoire les bons moments que nous avons vécus tous les deux. Tu m'as privé de mes enfants, tu m'as mis en prison, et tu as tout fait pour que je n'en sorte jamais. Et maintenant qu'enfin tu connais la vérité, tu penses que ramener mes enfants me ferait tout oublier? Alors là, tu ne me connais pas, Chris. Si je me suis éloigné de ma famille pendant des années, et ce malgré le fait que je les aimais, tu penses que toi tu auras une chance? Tu as raison. J'ai été un véritable lâche. Je me suis conduit avec toi comme un imbécile. Mais comprends-moi, Raya. Essaie d'imaginer ce que tu ressentirais toi, si du jour au lendemain, tu découvres que l'homme avec qui tu as été si heureuse, n'était que le frère jumeau de ton mari, et que ton mari, celui que tu croyais être honnête, désignait son jumeau comme étant un monstre. Qu'aurais-tu fait? C'est vrai. J'aurais réagi de la même manière sous l'effet de la colère. Mais après, je chercherai des réponses, je chercherai à savoir ce qui l'a réellement poussé à faire cette substitution. Ce que toi visiblement tu n'as jamais pensé à faire. Tu m'as jeté en prison. Tu as laissé mes enfants sans leur mère. Et ça, je ne vais jamais te le pardonner. Et sache qu'à la fin de tout ça, je compte demander la garde exclusive de mes enfants. Et maintenant va-t'en, Chris. Je veux rester seule avec mes enfants. Alors il sortit sans plus insister, et attendit dehors, jusqu'à ce que l'heure de la visite ne soit terminée. Il récupéra ensuite les enfants, et retourna les déposer avec Sandrine chez ses parents, avant de retourner chez lui à domicile. À peine arrivé, qu'il voit Ryan descendre du taxi. Mon amour, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? D'où est-ce que tu sors comme ça? Je n'ai pas arrêté de te chercher depuis. Mon amour, rentrons. Je t'expliquerai tout à l'intérieur. Mais est-ce que tu peux régler le taximan, s'il te plaît? Dès qu'il hocha la tête, elle se précipita dans la maison. Après avoir réglé la facture, il la rejoignit, et elle expliqua son calvaire en larmes. C'était vraiment horrible, Chris. Tu n'imagines même pas à quel point. Je me suis réveillée en sous-vêtements parmi ces mendiants. J'ai dû prendre dans la poubelle ces habits usés que je porte, car je ne pouvais pas faire plus de 6 km quasiment nu. Mais comment est-ce que tu as pu atterrir là-bas? J'en sais rien. C'était horrible. Vraiment horrible. J'ai besoin de me laver. D'enlever toutes ces odeurs sur moi. Ok, vas-y mon amour. Je te rejoins tout à l'heure. Ce n'est que le début du commencement, Ryan. Tu n'as aucune idée de l'enfer que serait ta vie dorénavant. Ce soir encore, je te ramènerai dormir dehors avec les mendiants. Et tous les autres jours d'ailleurs. Je vais te faire regretter ta mauvaise foi, Ryan.
Je promets, te fais perdre la tête aux yeux de tous, avant ton incarcération. Promesse d'un homme, et père blessé. Alors ça peut aller maintenant? Tu as maintenant besoin de te reposer un peu. Bois le café que je t'ai envoyé avant de te coucher. Ça te fera du bien. Et après, on cherchera ce qui s'est passé. Je t'aime. Merci mon amour. Allez vas-y. Je serai dans mon bureau si besoin. Eh bien ma chère femme, ce café que tu as bu tout à l'heure, n'était pas un café ordinaire. Tu as voulu empoisonner mes enfants, n'est-ce pas? Alors j'ai récupéré le flacon avec lequel tu as voulu tuer mes enfants, et j'ai renversé 2 gouttes de son contenu dans ton café bien chaud. Tu ne tarderas pas à te tordre de douleur. Et ça, c'est le retour à l'envoyeur. Et avec la musique que je viens de mettre à fond, rien ne se fera entendre. Et tu ne pourras pas sortir non plus. Car j'ai fermé la porte à clé. 3. 2. 1. Allez, vas-y, souffre un peu de douleur. Pour tout type de partenariat et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant ou par WhatsApp. Merci.